Bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous retrouver sur Euro Truck Simulator 2 pour une nouvelle vidéo. On va commencer. J'espère que tout le monde va bien. J'ai un peu avancé en off pour trouver l'endroit où on allait chercher notre cargaison. Allez, c'est parti. Oh. Va appeler notre cargaison. Alors, s'ils enlèvent pas le frein à main, ça n'avancera pas. Ce sera là qu'on va aller là. On va aller là, on la sélectionne, on la prend. Abaisse la voix. La voix, la voix, la voix. Alors. Je vais juste passer en vue. Extérieur comme ça je fais pour le plus là où il faut pour accrocher l'arbre. Voilà, j'appuie sur P pour accrocher l'arbre. Prêt à rouler. Partez. On peut repartir. Et je sais pas si vous allez l'entendre, mais dans ce j'ai une voix pour le GPS. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Donc, on tourne à droite comme monsieur a dit. Et là, je mets mon clignotant vu que je connais la touche sur ce jeu-là. Hop. Préparez-vous à tourner à gauche. Et ça rajoute un peu de gameplay. On va tourner à gauche. Comme le monsieur l'indique. Moi, j'ai rien. Préparez-vous à tourner à droite. On va devoir tourner à droite. Tournez à droite. Vous voyez, le GPS est précis. Hein. Mais c'est moi qui ne suis pas après la place que prend le camion, quoi. Je ne visualise pas ça, donc voilà. Et j'espère que la vidéo sur Fernbus
vous là. Mais moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la vie, ça passe le temps, quoi. Et vous, de me regarder faire, ça passe le temps aussi. Et moi, ça me permet plus de vous parler. Ce type de jeu, de simulation, là. Parce que quand je présente des voitures, je suis dans mon... Puis sortez à droite. Sortez à droite, tenez la droite. Ok, monsieur. Sortez à droite. Je suis dans mon truc quand je filme des voitures. Et je ne vous parle pas trop. C'est une belle invention qu'ont eu les développeurs de ce. Vous inquiétez pas, je suis pas rémunéré pour vous faire cette vidéo. Alors je dis ce que je veux sur ce jeu, mais c'est vrai qu'il est bien. Il y a plus, c'est plus réaliste en soi que le jeu que je vous ai fait lundi, par exemple. Ouh, des travaux que j'avais pas vus. Et comment on passe, nous? On va pas avoir le soir, je pense. On va foncer dans le tas, voilà. Et c'est pas RP ce que je fais, hein, mais là j'ai pas le choix. Voilà. Il y a des moments comme ça, heureusement, comme je vous ai dit lundi, hein. Conduisez jamais comme moi dans... quand je conduis. Ah tiens, ça c'est quand il faut faire une pause. Et donc je vais trouver une aire d'autoroute et je vous reprends là-bas. Tenez la droite puis sortez à droite. Ah non, on sort donc. Je vais vous garder encore un peu avec moi. Sortez à droite. Je vais un peu freiner parce que on connaît ça. On va trop vite et puis on fonce dans tout. Comme...
$42. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu. Le panneau parking là. On va pouvoir s'arrêter. Dans pas longtemps. Et aller sur l'air d'orbe. Et on va aller pour. Comme moi, comme je vous le dis à chaque fois, mon garou. Là il y a plus de place. Devant le camion là. Ouais, là, ouais, la place. Allez, on coupe le moteur. Et on fait Enter pour faire la pause. Je coupe et je reviens tout de suite. On est là. On est reparti. Allez tout droit. D'accord, on a dit oui, tout droit. Vous voyez que au niveau des pauses, des pauses sur les aires d'autoroute, ce jeu-là est, je trouve que c'est pour moi un point faible de ce jeu-là, c'est que les pauses qu'on fait, on ne doit pas sortir de camion. C'est pas très bien fait pour ce côté-là. Côté conduite, il n'y a rien à dire. Ce jeu-là est mieux que l'autre. Que je vous ai montré lundi, voilà. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis voilà. On passe la frontière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on passe la frontière. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce jeu est en Belgique, comparé à... Je sais qu'il y a un... Allez tout droit. Tout droit. Tout droit, on a dit, pas prendre la sortie. Mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo.
tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. On va ralentir ici. Et puis voilà. Ces vidéos seront, à mon avis, plutôt longues parce que je vous parle, quoi. Je vous parle et que cette map est quand même plus détaillée que l'autre. Lundi que vous avez vu la carte est plus détaillée. Recherche d'un nouvel itinéraire. Je ne vais pas montrer, c'est qu'il y a un régulateur de vitesse. Il est mis. Là, il est mis, donc. Là, je n'accélère plus et je reste à la même vitesse. Voilà. Voilà. On est reparti. Tournez à gauche. Oui, nous tournons à gauche. Peu importe. Je trouverai un nouvel itinéraire. Non, nous allons... Recherche d'un nouvel itinéraire. Fait un peu noir, vous trouvez pas? On met les feux, on met les phares. Je vous disais, je préfère ce jeu là à celui que vous avez. C'est les péages. Voilà. Je suppose qu'on est en France.
gars, la prochaine fois, on se retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Et likez et abonnez-vous.